our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the candles that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Et donc c'est là qu'il y a les records de vitesse qui sont faits. Comme on avait vu un espèce de dragster avec un moteur d'avion dans le Texas, je ne sais plus où exactement, avant l'éclipse. Qui était celui qui avait le record du monde à 400 et quelques miles. 404 miles par heure, donc ça fait genre 650 km/h, un truc comme ça, 600-700 km/h là-dessus. Et oui, et on a mis les bonnets, les gants parce qu'il fait 10-12 degrés et il y a un petit poil devant bien frais. Et on va aller voir les chutes de loin, mais on va les voir quand même. Et le parking, c'est 5 $. Elles sont énormes. C'est presque dommage, il n'y en a que la moitié qui coule. Il n'y a pas assez d'eau. Mais c'est chouette. Et les chutes sont surnommées les chutes du Niagara de l'Ouest. Avec quand même 200 pieds de haut et presque 1000 de large. Quand tout est inondé, ça doit être vachement impressionnant. Et le barrage a été construit en 1907 et réagrandi en 1909, puis 1920. De quoi produire 12 mégawatts. Et en fait, il y a plusieurs petits bouts de barrage pour rejoindre les différentes îles naturelles qu'il y a sur la crête. Et c'est la Snake River qui passe ici, qu'on retrouvera à Grand Teton, entre autres, qui est beaucoup plus calme là-bas. On va la voir. C'est quoi? Une marmotte. Et voilà, petite pause rapide à Idaho Falls. À Twin Falls. Idaho Falls, c'est dans 2 jours qu'on y est, normalement.
Et c'est bien chouette, mais ça doit être encore plus impressionnant quand il y a l'eau sur l'intégralité des chutes. Alors, nous sommes à Minidoka Historic National Site, qui est un camp d'internement et de déportation des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être l'histoire qu'on connaît pas en Europe. Il y avait une dizaine de camps comme ça. Et donc là, il y a eu jusqu'à 10 000 personnes. C'est d'ailleurs une des plus grosses villes. Et il y a 13 000 personnes qui sont passées par ces camps. Après, on est loin des camps nazis. Hein. C'est quand même, ça n'a rien à voir. Mais ça restait quand même du travail un peu forcé. Même si, alors ils avaient le droit de temps en temps d'aller jusqu'à Twin Falls, qui est à quelques miles d'ici, pour aller faire des courses, aller au cinéma. Et il y a aussi, certains ont pu s'engager dans l'armée américaine pour protéger les États-Unis. Ou sinon aussi se relocaliser plutôt sur la côte est que sur la côte ouest, pour éviter, en gros, pour casser un peu les communautés. Et c'était quand même immense, hein, plus de 10 000 personnes. Et il y a très très peu de choses qui restent. Les seuls bâtiments là qu'on peut voir en fait ont été reconstruits parce que ça a été réutilisé après par des fermiers. En fait, tout le terrain qui a été mis en agriculture pendant 2-3 ans, là, entre 41 et 45, a été redistribué à des vétérans de guerre pour monter des fermes après la Seconde Guerre mondiale. Et aussi, il y a un bâtiment qui s'est fait en une journée, même pas 24 heures. Ouais, il y avait aussi, ça a été utilisé comme site pour démontrer la suprématie de l'ingénierie américaine et donc de comment on pouvait monter une ferme en seulement 24 heures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Une fois que le camp a fermé, par contre, ils se sont fait expulser. On leur a donné quand même 25 dollars. 25 dollars à l'époque, c'était quand même un petit peu d'argent, pas beaucoup, hein, et un billet de train. Et en gros, débrouillez-vous pour retrouver un endroit où vous installer. Aussi, le visitor center qui ouvre. Il y avait un bureau de poste, donc les gens pouvaient continuer à dialoguer avec leurs amis, leur famille, etc. Alors avec un peu de censure quand même, les lettres étaient ouvertes. Mais il y a certains qui continuaient à administrer leur commerce directement depuis le camp. Donc c'était quand même une zone un peu bizarre. Et donc là, on n'a pas beaucoup plus d'infos, on a que le petit guide, parce que donc le site, le Visitor Center, n'est ouvert que les week-ends à partir là de fin mai jusqu'à début octobre. Mais il y a quand même le prospectus qui est en dispo au Visitor Center. Donc on en apprend un petit peu. Et c'est surtout que ça permet de mettre en lumière cette histoire méconnue de camps de concentration de l'armée américaine vis-à-vis des populations japonaises. Et là, on longe les barbelés. Et c'est une petite boucle d'environ 2,5 km qui fait le tour des différents sites pour se rendre compte un peu de la taille de la chose. Mais il y avait des écoles, une église, une caserne de pompiers, enfin c'était vraiment une vraie ville, mais une ville prison. Tu sais ce que c'est ça là-bas? C'est là-bas? Ouais. Bah c'est ça. Ouais. Et là on est... Le route cellar. Le garde-manger qui était semi-enterré, comme ça, avec de la terre et des herbes au-dessus pour le protéger des intempéries, tout simplement. Et il y a on voit plein de fondations de bâtiments, donc il y a des charpentiers, des plombiers, un peu, de quoi faire vivre un camp de 10-12 000 personnes. Et donc là, on va faire le tour du bloc 22. Donc chaque bloc était construit pareil, avec un mess au milieu et des baraques autour.
là, il y a un mess qui a été reconstruit et un baraque. Enfin, une baraquement, un dortoir, quoi. Et faut se rendre compte qu'ici, avant, c'était de la poussière, du sable, un peu désertique, et que ça a tout été aménagé pour faire de la culture, et que le camp était autonome en nourriture. Ils arrivaient à produire suffisamment pour 15 000 personnes. On voit quasiment rien à l'intérieur des bâtiments. Alors ils se visitent sur les tours guidées avec les rangers, donc pareil le week-end à partir de fin mai. Et info, il y a des souris. Ouais, on est dans les champs, il y a des souris. Et il y a même un terrain de baseball. Il y a encore les plaques d'ailleurs. Non. Et les bâtiments étaient quasiment pas isolés. Donc faut se rendre compte que l'été il fait chaud ici, l'hiver il fait froid. Il y a du vent quasiment tout le temps, donc de la poussière qui rentre. Vraiment pas des conditions idéales. Ici. Et voilà ce qui finit notre visite de mini doka relocation camp. Donc un camp de relocation, de déplacement quoi. Donc ça, évidemment, tout ça, ça a suivi l'attaque de Pearl Harbor en décembre 41. Et c'est vraiment dès printemps 42 que les Japonais de la côte ouest ont été délocalisés dans les différents camps. Et c'est impressionnant de voir la taille que ça pouvait faire. Même s'il ne reste pas grand-chose, on se rend compte quand même de l'immensité de la chose. Voilà, en tout cas, si vous passez par Twin Falls, passez voir ici. C'est gratuit, même si vous n'avez pas le pass... American Beautiful, ça reste gratuit et c'est vraiment juste à côté. Et ben nous on continue la vidéo à Idaho Falls ou peut-être avant dans une grotte gelée. On verra ça demain. En attendant d'ailleurs, avant que la vidéo se poursuive, qu'est-ce qu'on fait? Si ça vous plaît, on met un pouce, on peut laisser un commentaire et pour pas rater les vidéos, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi on met la cloche. Voilà. Allez, ça y est, c'est fait. Alors on continue la vidéo. À plus tard. Et bonjour. Bonjour. On se retrouve à côté d'une ice cave. On va aller faire une grotte avec de la glace. On a eu froid cette nuit. Enfin non, on a mis du chauffage un petit peu dans le camping-car. C'est tombé à zéro dehors. Et c'est descendu jusqu'à 7 dans le camping-car, donc le chauffage, on l'avait mis vraiment juste en mode antigel. Et on va aller voir ça, on est toujours à côté de Twin Falls, à quoi 3 quarts d'heure à peu près. Allez, on va aller voir ça.
Bon, alors un peu d'explication sur ces caves glacées. Donc il y a à peu près, on avait dit 3 mètres, il y a à peu près 3 mètres de glace en dessous de la petite couche d'eau. Alors là, il y a une couche d'eau parce que bah, il y a les fonte des glaces un peu autour, une fonte des neiges, qui fait que bah, ça apporte un peu plus d'eau dans la cave et ça n'a pas le temps de geler encore. Et donc elle a été découverte fin des années 1880 par un gamin qui cherchait un des moutons échappés du troupeau. Et quand l'État a voulu un peu explorer cette cave, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout fait péter à l'entrée. Et le problème, bah, c'est que ça a complètement faussé l'isolation de la cave. Et même une autre entrée au bout, qui sait que ça fait un courant d'air, donc bah, tout a gelé en quelques dizaines d'années. Et il y a Russell qui a racheté le terrain dans les années 40 et qui a entrepris en fait de réisoler la grotte pour que la glace se reforme. Donc voilà pourquoi il y a à nouveau de la glace dans la grotte. Et c'est rigolo parce que donc là c'est une grotte où il fait entre 20 et 30 degrés Fahrenheit, donc ça fait quoi, moins 10, moins 2, un truc comme ça. Donc en tout cas toujours négatif. Là où d'habitude dans les grottes c'est plutôt entre 40 et 50 degrés Fahrenheit, donc plutôt autour de 10 degrés. Et bah, il fait frais dedans, il fait froid, mais c'est rigolo. Et puis là encore ça va, nous dehors il doit faire 10 degrés, donc on n'a pas trop un choc thermique, mais l'été quand il fait 30-35 dehors, ça va être assez bizarre de passer à moins 5 à l'intérieur. Voilà, petite découverte sympathique, c'est pas très très cher, je crois que c'est 12$ par adulte et 8 par enfant. Ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis bah, ça fait un arrêt sur la route avant de continuer vers Crater of the Moon. Donc à nouveau de la lave, parce que là c'est ça, hein, c'est une coulée de lave en fait qui s'est un tunnel de lave en fait, qui a été occupé par l'eau. Et la pierre de lave fait un très bon isolant. Voilà, vous en savez à peu près autant que nous sur cette petite grotte de glace. Allez, on prend la route.